Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bienvenue à Écho des Heures. Aujourd'hui, nous avons un menu rempli de jeunes artistes tels Timber G, qui nous présente sa toute nouvelle chanson vidéoclippée titrée Palais, mais aussi de Lil Paul Money qui nous présente Relais Esprio et sans oublier une initiative pour les jeunes filles dénommée Miss Angélique. Bien avant, le temps de la pause, on vous revient dans un instant. Sur Télépacifique. Et oui, le show le plus chaud, votre show revient sur votre petit écran tous les samedis soirs à partir de 8h. Musique, danse, slam, poésie, mode, wow, peinture, humour, cuisine, enfin tout ce qui est beau et divertissant. Préparez-vous à vivre des moments de bonheur uniques. Restez branchés, restez branchés. Merci d'être encore branché. Timber G, un artiste très jeune, connu dans l'industrie musicale haïtienne, vient nous présenter sa toute nouvelle chanson vidéoclippée titrée Palais. Une chanson qui justement relate la situation sociopolitique du pays. Il était au micro de Joseph-Philippe François et de Chrislaine Lubin. Donc moi-même, moi c'est Timber G, ok, un artiste musique un peu là ici qu'on est, parce que ma frappe dans l'industrie là. Nous avons une musique en vidéo qui est un peu respective. Dans le moment qui s'est parlé, c'est une musique côté que nous choisis exposer situation et pays là, sur le plan politique. Dans la vidéo parlé là, et j'en ai fait, moi fait c'est de concert avec un autre artiste qui sorti Jacques Mel, qui est le F de Winner, monsieur très très populaire à Jacques Mel. Et nous avons un bel passé et dans la ville ça. Donc nous avons collaboré ensemble, nous faisons musique qui les parle. Nous avons fait un film gazé, les gars chita nous chambres, bye bye. Ils ont revendiqué, ils ont fait une façon de faire une bataille. Alors ils ont fait un sam pour tirer, ils ont même viré sur machine blindée. Pendant l'intérêt, ils ont monté, ça ils ont réglé pour peuple à quoi ils pas plus que parler, parler, parler. Ils ont pas fait rien que parler. Son musique côté qu'on a expliqué peuple là, gens que pays a il a régressé et comme si en vitesse qui comme c'est qui incroyable côté nous même nous t'ai choisi faire mon connait que nos parents mais une situation et puis mon c'est plus parler au lieu que exécuter et des bagages qui t'a pas bon pour peuple là, pour jeunesse là ou bien pour société nous en général. Les pouvoirs sont au point de parler. Donc, mon y a capable de jouer vidéo ça et puis y a capable exactement. Nous même en tant qu'artiste, c'est vrai nous faisons musique pour nous divertir moun, mais parfois tout nous faisons musique pour nous être capable de disorder quelques moun qui ont déjà dormi sur situation pays. Parler, 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 y a pas faire rien que parler, 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 si t'as pas mal non parler, parler, parler. Et maintenant, Timber G nous parle de ses différents projets, à savoir la sortie de son nouvel album prévu pour 2020. Ayons beaucoup plus d'explications au micro de Chrislaine Lubin et Jocelyne François. C'est un artiste qui n'a pas arrêté seulement pour faire des musiques engagées, nous avons des musiques à caractère sentimental, nous avons des musiques qui sont les ego trip. Donc, comme l'autre musique que j'ai, que mon aime en pile, c'est une musique qui est mangée déjà, qui a caractère compas, zouk, mon yon tende li en pile. Donc, il y a fait mon yon connaît dans le jeu qui a venu là, vidéo mangée déjà pour le sortir. Je planifie pour moi si je suis capable de sortir nouveau opus, mais autrement dit, et nouveau album, moi, c'est soit en fin année 2019 là, ou bien en début année 2021, on dit après période carnaval, parce qu'on connaît, c'est un gros période dans le pays, nous respectons ça. C'est un autre ami entré en contact avec Timber G, qui t'a suivi il y a longtemps, qui connaît moi, qui connaît palmarès de moi, qui connaît que j'ai environ 15 ans de musique qui est déjà en rotation et qui a une carrière active. Ce temps, j'ai contacté Timber G, soit capable de faire. Et moi, disponible sur toutes les réseaux sociaux qui sont populaires en Haïti, qui c'est Facebook, Twitter, Instagram, non seulement qui c'est Timber G Haïti. Ok, Timber G Haïti.
capable toujours réagir avec moi, capable toujours et faire une requête, etc. Et comme ça, tout ce temps, je suis entré directement en contact avec un représentant, moi, capable de composer le numéro ça qui c'est 46 46 46 46. Son numéro, son ligne qui est vraiment à part, donc c'est pour requête qui a un rapport avec et bagaille professionnel. Donc, le numéro c'est 46 46 46 46. Place maintenant à Lille Paul Money qui nous présente Relais Esprit. Il va nous donner beaucoup plus d'explications au micro de Jimmy Ducasse et Joseph-Philippe François. Son jeune rappeur, Kabe Fouli et Kafou. So, j'ai 21 ans, même entraîné rap et après Goudou Goudou. J'ai plusieurs vidéos, même pas. Quand j'ai un album même, ils ont participé avec plusieurs groupes. Ils ont fait pour Bimix, ils ont fait Aniska, ils ont même fait News, ils ont fait un solo avec staff avec Sima et Music Group. Et pendant plusieurs années. Ils racontent réalité, mon réalité. Réalité caméra maintenant. So, pas bien, nous sommes haïtiens, nous sommes guinéens. Et so, son musique vaut du trap. So, l'orazé, so, relais pour yo. On police dans la rien, so, n'importe si balka la gueule la terre, juste pour les protéger tête. Li relais pour yo, de même pour Batman dans tout, on n'importe si balka la gueule la terre, li relais pour yo. Et moi-même tout, les hits me baissent dans la rien, moi relais pour yo. Esprit, tu vois ma vie de si gros, ou met tout connaît, moi ma presse voix d'en bas là. Lil Paul Money, petit garçon, mouguez vous pas fait, quem quem, c'est joum pas là. Au go respect pour ma beau Venise, ça tue pour moi, c'est pour lui, vous me changez chemise. Au go respect pour ma beau Venise, ça tue pour vous, c'est pour lui, vous changez chemise. Mais là, j'en pas qu'à tomber pour gérer ça, nous relais esprit. Prochain projet à son musique, me fait avec Perfect Music, qui titre chaque jour ma bowling. Pour moi, en tant qu'avant, j'ai plusieurs façons de faire ça. Et sur Alpha, le monsieur Instagram, sur Lil Paul Money. Pour contacter tout ce numéro, ça, c'est 48 17 75 79. Un monde qui a besoin de programme, vous pouvez contacter le numéro 37 12 38 94. 37 12 38 94. Pour moi, vous avez entré en contact avec moi, vous faites 48 17 75 79. Moutia Tita Chéri, initiatrice du concours Miss Angélique, nous annonce que le casting se fera à partir de la semaine prochaine. Elle était au micro d'Egens Renéus, justement pour de plus amples explications. Permettre aux jeunes filles de prendre conscience de la véritable valeur de l'effort intellectuel et moral. Ça qui a fait différence entre concours Lotio avec Miss Angélique, c'est parce que nous autres nous priorisons, nous mettons en priorité l'éducation. Lorsque je dis l'éducation, c'est parce que c'est pas parce que Lotio pas mettait, mais nous pas mettait barème. Barème non, je l'ai dit que nous pas dit que ou obligé de sexy ou obligé de taille de 1m65 tout comme l'autre concours yo dit ou pas obligé écoute ou pas obligé mannequin parce que nous-mêmes à Miss Angélique on n'aura pas de défilé en bikini nous pas bien corps timounio que nous pas mesdames yo pas bien possibilité pour exhiber koyo donc c'est un concours qui est absolument basé sur éducation. Nous allons lancer le concours à 18. Donc le public a bien possibilité pour louer 18 candidates sous scène. Nous avons plusieurs médias, mais écrits bien entendu. Nous avons TEDactu qui a couvert événement live sur Facebook. Nous avons aussi la page de Miss Angélique Haïti, côté que y a un monde qui voulait connecter avec Miss Angélique pour première édition. Ça, elle est capable de rester connectée sur la page Miss Angélique Haïti et qu'on l'a toujours connectée avec nous pour le casting. On sera live aussi pour le lancement, on sera live pour la finale. Donc, quel que soit le monde qui voulait connecter avec nous, les capables de monter sur Facebook et cliquer Miss Angélique Haïti. Elles seront 18 à concourir pour le titre de Miss Angélique 2019 et des primes alléchantes attendent déjà les différentes gagnantes. Suivons encore au micro de Egens Renéus les différents propos de l'initiatrice en question. La Miss, nous t'ai pensé
puisque c'est un domaine éducatif, c'est un concours éducatif. Donc, nous t'ai choisi, bien entendu, la bien 2000 dollars US et ensuite une bourse d'études au CEDI. L'a gagné un week-end à Saint-Domingue. L'a gagné possibilité un voyage à Cuba, aller-retour. Et puis, elle aura apporté la collection de Cochise Pierre au Tsar pendant un an. Et aussi, il y a Création Créole qui est à Miami, qui a fait un gros travail dans la production nationale. Là. Donc, il y a ambassadrice Création Créole à Miami. Et aussi, un reportage complet de tout ce qu'elle veut avec Reporter. Nous avons des séances de formation que nous avons bâillé, mesdames. Nous avons des formations en comment se tenir en public avec Michel Joseph de Reporter. Nous avons gagné en éducation, l'influence de la jeunesse dans le domaine éducatif, c'est avec Maureen Noisy. Nous avons gagné en leadership avec Madame Polinis à Femme Agency et nous avons gagné tout. Bien entendu, nous avons gagné implication jeunesse dans l'initiation de concours de Miss avec Egens Renéus. Merci d'avoir suivi avec attention cette toute nouvelle sortie d'Écho des Heures. Restez branchés, la télé Pacifique pour la suite de la programmation.